Voilà, on va installer l'internet. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Donc ils ont installé une antenne un peu plus loin là-bas qui va faire le relais avec l'antenne là, et là on va mettre un routeur wifi. Il y a de la distance mais apparemment ça devrait bien fonctionner d'après eux. Donc là on est sur l'antenne de la radio, 60 mètres de haut. Et donc je disais une bêtise, donc c'est bien un relais avec une antenne qui est par là, qui arrive là, et de là on descend avec un câble. Il m'a dit que ça serait meilleur et on met un routeur du coup branché par câble dans le bâtiment. Le bâtiment, le hangar qu'on a là-bas là. Ça c'est la partie radio qui est ici. Donc voilà, une installation. Qu'est-ce qu'ils font pas pour nous? C'est un truc de malade. Donc là, il est en train de régler l'antenne. Il contrôle le signal. C'est la petite parabole, je sais pas si vous la voyez, qui est là. Là, il teste pour la régler au meilleur endroit. Bon, on change de technique sur le pylône. Le signal était pas très bon parce qu'on a une énorme touffe d'arbres au loin là, pas le bosquet qui est là, mais au loin. Donc le signal était pas très bon. Il va s'installer sur un palmier d'après ce que j'ai compris. Je sais pas ce que ça donnerait avec avec du vent, parce que c'est assez flexible quand même. On va voir. À moins que j'ai pas compris et qu'il la mette ailleurs, mais bah, je continue à vous montrer. Bon, deuxième changement de plan. L'arbre, c'était pas une bonne idée. Il est venu nous apporter un rouleau de câble. Je pensais qu'il allait se mettre sur ce poteau-là, mais il repart. Et qu'est-ce qu'ils font pas pour nous? C'est un truc de fou. C'est vraiment super. Oh bah, je sais pas où ils... Oh là là, le pick-up. Je sais pas où ils vont du coup. Pour l'instant, il y a Manino qui nous déroule le câble. Ah, ou alors, parce que j'avais vu qu'il y avait un autre pylône. Je sais pas si vous le voyez là-bas, il y a un pylône. Ça se trouve, ils vont faire le relais sur ce pylône-là. Peut-être que la direction est mieux comme ça. Je vous dis ça. Je pensais qu'on était sur le poteau là, mais non. Il est venu juste apporter le rouleau de câble. Bon, en fait, on met plus la parabole, on met plus l'antenne. Il va se raccorder sur un boîtier de fibre optique, parce qu'il y a la fibre optique dans le village. Et de ce boîtier, apparemment, il peut repartir avec un câble. Une sorte d'adaptateur, apparemment, de ce que j'ai compris. Donc là, on tire le câble et puis ben, on va mettre une gaine si on y arrive. On aurait dû le faire comme ça, vu que je vais passer à la débroussailleuse, il y aura au moins une protection, on verra où il est quoi. Hey, il est bien le câble pour une fois, mais bien droit, on recule. Dis dès que tu le vois. Je vois le
Voilà, comme ça, ça nous donne un indice. Si à un moment ou à un autre l'herbe pousse, au moins on sait où il est. On risque pas de l'abîmer. Donc je l'ai remercié pour tout ce qu'il fait. Il m'a dit, mais on sait jamais si t'es là à un an. Il faut bien que t'aies internet quand même. Donc super sympa quoi. Vraiment top. Donc voilà, là il nous met du coup la parabole ici. J'avais bien compris. Donc d'ici, on part derrière le bosquet d'arbres qui est au plus loin là. Il y a une autre antenne qui est là-bas. Ou alors peut-être sur le pylône qui est là. Je sais pas si vous voyez. Et de là, on redescend avec un câble qui passe là. Tac. Le câble, il rentre dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, je vous filme ça après. On va mettre un boîtier, un routeur Wi-Fi, quoi. Donc, ça va être super, ça. Voilà. Il nous passe le câble en aérien. Donc, l'antenne est installée. Le signal a été contrôlé et apparemment bon au niveau de l'antenne déjà. Et là on passe le câble en aérien. Tout ça grâce à FM Republica, à ses connaissances, à Manino, c'est un truc de fou. Regardez ce qu'ils font pas pour nous et pour vous. C'est énorme. On a repassé le fourreau. Ah bah oui, elle est là. L'écran de cinéma est toujours monté, on a regardé un film hier soir. Donc là, il va nous mettre un petit routeur là. Come lo provate con il cavale bianco? Come l'ho provato? No, con il amarillo, scusate, con le porte qua. Ah, beh, dammi l'amarillo. Però poi è un azul nuovo. Era nuovo, è nuovo también ese gris. Caso si non lo levanto del coso, sta. Porque el equipo debe estar saturada la antena ya. ¿Está viviendo cooperativa? Sí. Porque el equipo está saturada, saturada la salida. Esto es. Ok, nos han instalado la antena. Nos han instalado el petit router aquí. Du coup, il y avait un problème tout à l'heure, il manquait une prise. Donc on a le routeur là. Là, il a tous ses petits outils pour faire les tests. Mais je sais pas, il dit qu'il y a quelque chose qui déconne un peu, on dirait. En tout cas, il y a une connexion déjà. Ça y est, il nous a installé Internet. C'est un truc de malade. Je lui ai demandé combien je payais pour l'installation et tout, il a jamais voulu, il a passé une journée à faire ça et là il va encore régler. Il va nous mettre un peu plus de puissance au départ. Ciao, muchas gracias. Ça y est, il s'en va. Et là, Manino, le propriétaire. Ciao, ciao, muchas gracias. Si necesitas algo, me avisas. Ok, pas de problème. Muchas gracias, amigo. Ciao. Voilà. Ils sont super gentils. Super gentils. On ferme le portail de la maison. Petit récap de fin de vidéo. Avec. Des explications un peu plus claires parce que là ça a été un peu du fouillis, mais je voulais vous montrer tous les changements qu'il y a eu. Ils se sont pas contentés d'installer l'antenne et on se casse quoi, vous voyez. Donc voilà, ça part d'un relais en centre-ville qui est récupéré sur de la fibre optique. De ce relais là, ça vient à l'antenne parabolique qui est là. On a Ils ont mis le câble en aérien ici.
qui redescend là, qui retourne au hangar. Donc il va y avoir un petit peu de bruit parce que on est en train de faire le plein du camion. C'est cool, on laisse le tuyau en fixe en permanence. Et on a juste à activer, à allumer la pompe qu'on va entendre là en arrivant dans le hangar. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on arrive ici avec le câble par la fenêtre. On arrive sur le routeur Wi-Fi. Et je me suis installé mon petit bureau ici pour vous monter les vidéos. Ça marche super bien, donc on va remercier la ville de Morteros et surtout FM Republica. Allez voir, ils ont, pour ceux qui comprennent l'espagnol, ils ont un site internet, ils ont une page Facebook, ils ont un compte Instagram FM Republica. Donc il y a des infos sur l'Argentine en général et puis sur la ville. Donc, et on a le wifi surtout partout, sur toute la parcelle du terrain. Donc on arrive maintenant à charger les vidéos dans le camion. Enfin, je veux dire, je pourrais même m'installer à faire les vidéos là sous les palmiers ou dans le hamac. On a internet partout, ça marche super bien. Donc voilà, on va pouvoir continuer à vous poster les vidéos pour beaucoup moins cher que les cartes Claro et beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment top. Donc voilà pour cette fin de vidéo, l'installation finalement, vous voyez, c'est possible sur un terrain loin de tout. Il suffit d'avoir les gens qui savent faire, les gens qui ont le cœur sur la main. Enfin, vous demandez ça ailleurs, on va vous dire, ah bah non, t'as vu où t'es, c'est pas possible, on peut pas te mettre internet, enfin voilà. Et finalement, si, je savais même pas qu'on pouvait passer comme ça avec une antenne parabole, enfin, c'est vraiment extraordinaire. Donc on a internet sur le terrain, surtout que la première habitation elle est là-bas, une centaine de mètres. Donc ailleurs on vous aurait dit non, c'est pas possible quoi. Et ben si, c'est possible. On a internet sur toute la parcelle, donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc à bientôt, et puis on continue les vidéos du coup. Hein, allez, on se retrouve dans une prochaine. Ciao ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt! À bientôt! À bientôt.